pas de part en moi. Attends, est-ce que c'est la moindre chose? Essayer de faire en plein quelque chose. C'est important. C'est un symbolique de l'université. Faire avec l'université, bien sûr. Et vous verrez. Il est où, il est là-bas. Non, c'est bon. Donc, lui aussi, quand il a vu aussi le siège se faire et avec la qualité qui semblait hier, un chantier qui est censé durer combien de... Le chantier a pris 3 mois de retard. Pour dire 3 mois de retard, parce qu'en fait, il y a eu des changements qui ont été opérés. Il faut aussi se dire la vérité, la capacité de l'entreprise qui est en plus. Et nous faisons une surveillance assez serrée pour la pousser. Et dans 2 mois, Diallo vous expliquera mieux, on devrait rendre les bâtiments finis. On restera les 2 mois. Les charpentes sont déjà montées, les portes sont en train de monter, le carrage, vous verrez tout à l'heure. Et dans 2 mois, les bâtiments seront livrés. Maintenant, l'aménagement extérieur qui en fait nous prendra les parkings, les de clôture. Ça a commencé il y a combien de temps? Je saurais vous dire à la date exacte si vous regardez. Dans 2020, ils ont signé le contrat en 2020. Et ils ont démarré le chantier en 2020, vers novembre. Dans les normes, le retard que parle le Seigneur, elle est énorme. Parce que dans juillet 2021, il devait rendre le clé. On va aller à on va pas monter. Ouais. Vous nous expliquez ici. On est pas en train de faire.
Maintenant, pour la réponse, monsieur le ministre, on n'a pas de compte. Donc, on compte sur le ministère et on va nous accompagner. On n'a pas de compte. Pour l'annexe. Pour l'annexe. Pour l'annexe. Mais le principal, dans deux mois, c'est au mois de mars. Ce bâtiment, c'est au mois de mars. D'accord, vous nous m'appelez. Le carrelage, c'est fini. C'est le carrelage. Ils ont basculé sur le bâtiment. Et là, chaque fois, il y a un peu préparé. À partir de la semaine prochaine, il y a un peu de les appareils. Ce sont les appareils qui les jouent. On termine par le centre, c'est plus social. Est-ce qu'il y a la porte? Oui. Est-ce qu'il y a la porte? Ah, attendez. Est-ce qu'il y a une porte? Non, la porte est ouverte, elle est ouverte. Elle est ouverte. Voilà, elle est ouverte. Ah, on a un mot. Donc, on a revu les ambitions à la hausse. Il fallait reprendre les équipes. Et sur Ziguinchor, pas facile de réintervenir sur les pertes. C'est ça. On a maintenant, monsieur le ministre, le problème, c'est l'équipement. On n'a rien. Oui, ça, on va voir, comme avec on va voir le ministère de la Santé. On va aller voir dès maintenant. Il faut qu'on travaille sur l'équipement. Ça, dès que je rentre, je vois la télévision, on va proposer une déclaration. Oui, c'est ça. Le sommet pouvait le mettre, mais après nous, on voit... spécialisé en radio. Après nous, on voit le ministère de la Santé pour nous accompagner. C'est comme ça qu'on verra. C'est le centre médico-social.